Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le vlog du dimanche. Je vous laisse avec l'intro. Alors aujourd'hui, je m'apprête à sortir. Hein. Je vais voir my friend. Vous allez venir avec moi. Ce sera un petit vlog assez sympa. Enfin, du moins, je l'espère. J'espère que ça va vous plaire tout simplement et qu'on pourra profiter un maximum. Donc là, il est déjà tard. Il faut que je sorte de la maison. Donc, petite transition de nous quand on est dehors. Ok. Hey, eh bien, nous ne sommes pas dehors. Comme d'habitude, je diffère une transition. Mais il n'y en a pas. Alors pourquoi nous ne sommes pas dehors? Tout simplement parce que cette vidéo est sponsorisée par. Non, je rigole, il n'y a pas de sponsorisation. Nous ne sommes pas dehors tout simplement parce que je trouvais que ce vlog manquait d'images. Alors je me suis dit que j'allais tout simplement faire des petits commentaires avant ou après chaque moment et vous expliquer un peu ma journée de jeudi en fait. Ouais, parce que c'était jeudi et aujourd'hui nous sommes dimanche, le jour où la vidéo est postée. Les images que vous allez voir sont filmées avec mon Samsung S24 Ultra. Donc tout le vlog est filmé avec le Samsung. Actuellement, je filme toujours avec le Samsung histoire de rester toujours dans le thème. À part l'intro où je vous dis, wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien gagner. Donc les images que vous avez vues avant l'instant que je suis dans cette chambre ont été filmées avec une caméra. Ce vlog du dimanche il sera un peu spécial, il sera un peu différent des épisodes précédents. Mais j'ai envie de vous dire, tous les vlogs du dimanche sont un peu différents. Une fois j'ai fait un petit débat, une autre fois on a fait les tchik et tchak. Enfin bref, ça change tous les jours et ça changera encore et encore. Bien évidemment ça changera tout le temps parce que j'aime le changement. Comme vous pouvez le voir, j'ai le visage gris et j'ai un peignoir. La tenue typique d'un dimanche en détente, ouais ouais. Il me manque plus que le verre de vin accompagné de charcuterie. Et là, je suis au top. Faut pas me déranger en fait. Je suis en train de tourner une vidéo là. Qu'est-ce qu'ils sont impolis les gens. Oh là là. Bref, je vais vous expliquer tout simplement comment s'est déroulée ma journée du jeudi de cette semaine. En gros, ma journée d'il y a 4 jours. Tout a commencé, donc je me suis apprêtée, etc. Il faut savoir que j'avais envoyé un message à mon ami en disant « Ouais, si jamais tu fais rien, on peut se voir ». Donc j'ai reçu un petit appel. « Dring, Andrea, tu es où ? À la maison. Viens, à 20h, on se rejoint. » À la Beauvrie. J'ai mis mes chaussures, j'ai pris mon sac, j'ai pris le premier bus et je suis allée rejoindre mon ami. Il est là. Eh, non, tu es trop beau. Alors. Lui que vous voyez, c'est mon ami d'enfance, mon ami de longue date, c'est mon bestie. Yo Archie, aka Lolo pour les intimes. Tous deux, nous sommes amis depuis la maternelle. On s'est perdu de vue et c'est nos deux mamans qui nous ont remis en contact. Mais bref, passons à la présentation. J'aurai l'occasion de mieux vous parler de lui dans une prochaine vidéo. Faut savoir que depuis qu'il a déménagé sur Bruxelles, nous avons plus toujours l'occasion de se voir parce que il peut avoir des journées très chargées comme moi. Je peux aussi avoir des semaines remplies de choses à faire. Cela ne nous empêche pas de nous aimer aussi fort et de toujours trouver des arrangements pour se voir de temps en temps. Il faut savoir qu'il a toujours été à mes côtés, j'ai toujours été à ses côtés, même si on a eu des moments très 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 bas qui ont fait que voilà, quoi qu'il en soit, si on a envie que ça marche, on fait en sorte que ça marche et c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvés. Normalement, vous l'avez déjà vu, les anciennes vidéos à mes débuts sur YouTube, je vous mets des miniatures juste là, il ne passe pas inaperçu, il est tout le temps là, tout le temps, H24. D'ailleurs, récemment, précisément le 2 juillet, monsieur a été diplômé et il faut savoir que je suis tellement contente pour lui parce que je sais à quel point ça lui tenait à cœur et il le mérite tout simplement. Donc voilà, allez lui dire félicitations en commentaire ou sur ses réseaux sociaux. Écoutez, net, bref, je vous laisse avec la suite des images. Est-ce que la glace, elle est bonne? Mais regarde ma vidéo. Bref, en gros, si vous voulez, là, je suis le trépied. Vous voyez les backstage quand je filme messieurs, messieurs. Mais qu'est-ce que c'est avec une glace? Bah non. En mode, je suis le trépied. Ouais. Je vais faire un TikTok de ça. Oh, cool. Tu vas reculer et après il casse la démarche, c'est malade.
Alors, faut savoir que chaque moment que je passe à ses côtés sont précieux à mes yeux parce que, ben, en fait, c'est tout simplement des souvenirs de jeunesse, vous savez, marqueront toujours d'une part votre vie. En tout cas, pour moi, je sais que plus tard, je me souviendrai de notre amitié. On peut passer des heures à parler de tout et de rien, mais on va jamais s'ennuyer. Surtout que c'est impossible de ne pas rire avec Archie, en fait. Il est trop drôle. Là, on est en train de parler et tout, mais vous n'allez pas écouter, donc je vous mets une musique. Je vous explique, on était là, on faisait des TikTok avec Loïc, c'était trop marrant. Et après, il y a un homme. C'était drôle. Et alors, il y a un homme, il nous voit et tout. Et je comprenais rien, tu sais, je comprenais rien de ce qu'il a dit. En fait, j'ai fait comme si j'avais compris. Et après, genre, je vois, il fait comme ça le geste photo avec les chiens. À ce moment-là, je faisais des TikTok avec Loïc. Il y a un homme au loin, il est vraiment loin. Il nous voit danser, nanana, précisément moi danser parce que Loïc dansait dans la rue, jamais de la vie. Et il nous dit, ouais, nanana, nanana. Déjà, je comprenais rien à ce qu'il disait. Il était accompagné de deux chiens, deux gros chiens comme ça. Et l'homme est en train de me proposer de faire des photos avec ses chiens. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est le maître qui me demande si je vais faire des photos avec ses chiens. Je me suis dit, ah ok, donc en mode de lui-même, il me propose si je vais faire des photos avec ses chiens. Les gars, ses chiens sont tellement beaux. Attendez, je vous montre des vidéos et les photos. Donc lui-même, il sait que ses chiens, ils sont un peu, tu vois, les vibes pour les photos là. Bien entendu, moi, j'ai pas peur des chiens, donc je n'ai pas refusé et j'ai fait mes petites photos que d'ailleurs, vous pouvez aller checker sur mon Instagram. Voilà, c'est de ça que je vous parle, c'est de ça dont il s'agit. Moi aussi. Mon téléphone s'est éteint. Donc yes. On va. C'est qui les gens dans la voiture là? Des nègres. Noirs. Voilà, bah oui, des noirs. Du coup là les gars, on va aller charger mon téléphone chez Burger King. On va faire un upgrade, mais c'est parce que c'est pour le. T'as un truc à dire? Ouais, j'ai un truc à dire. On est à Liège. Gênant. My city. Vraiment, c'est chez moi. C'est. J'ai grandi ici. Je suis tombée dans les rues de cette ville. J'ai mes blessures ici, mes peines de cœur, mes peines d'amour. Allez, allez, bye bye. Meilleur garde de tous les temps. Attends, viens, on fait une vidéo du style. Bon, bonjour mes nièces, je suis avec Tata. Bonjour mes enfants. Ok, ça va, bref. C'est toi qui es gênant à dire ça. Bref, mes enfants. Ah, mes enfants. Ben, moi, c'est maman. Là, je suis dans la ville de Liège, là où votre maman elle a grandi. Elle est avec son bestie que vous allez jamais rencontrer parce qu'il va bientôt couper les points avec votre maman. Il va bientôt abandonner votre maman. T'as rien à dire, tonton? Non. Ouais, il vous aime pas. Alors que vous êtes pas encore né, mais il vous aime déjà pas, en mode. Je les aime, mes enfants? Oh. Dis, je vous aime, mes enfants. Non. Voilà, il vous aime pas. Bon. Imagine, il y a des gens qui vont être. Et rentrer pour qu'il branche son téléphone. Je vais faire quelques edits de mes photos. Allez check mon Instagram, comme ça vous les verrez. On prend le train? Il s'arrête à Liège, à l'envers. Combien la journée sur 10? Cette journée sur 10, alors elle mérite un bon petit 9. Yes! Pourquoi? Parce que t'étais avec moi. Tu peux expliquer, genre, on a quel type de relation, s'il te plaît? Relation toxique. Relation discrète, relation parfaite. J'en ai rien à faire, je m'en fous. Genre. Tu sais comment ça se fait que en mode, tu as réussi à développer ce. En fait, j'ai su qu'il y a quelqu'un. Vous voyez, Andrea, genre, moi, je suis personne. On dirait pas, mais je suis trop timide. Genre, je suis trop timide. J'avoue. Et Andrea, genre, en mode, avant, elle était timide, mais genre, maintenant, elle peut voir tout dans la rue et tout. Moi, j'arriverai pas, genre, je sais pas encore. Mais moi, c'est. Mais moi, je l'ai. Mais il n'est pas encore à 100%, tu vois, genre il est à 55. Non, mais parce que c'est avec moi. Quand je suis avec quelqu'un, rien ne peut m'arrêter. Mais quand je suis toute seule, c'est coussi coussa. Regardez où je voulais emmener Loïc. Je suis en train de dire à Loïc qu'en mode, on est jeune, il faut qu'on se rende compte qu'on a de la chance et qu'on doit profiter du fait qu'on est jeune. Parce que nos parents, Loïc, je te promets, s'ils pouvaient redevenir jeunes comme on est. D'accord, redevenir. Ils feraient en sorte de redevenir jeunes. C'est devenu un parking ici? Où ça? Ah ouais, ouais. Ah ouais? C'est devenu un parking! Trop bizarre en plus. Faut savoir que notre ville est actuellement en travaux. Il trace les chemins pour les trams. Loïc, depuis qu'il vit à Bruxelles, quand il vient dans notre ville, c'est un peu le touriste du coin. Le mec qui découvre. Je te rappelle que t'as grandi dans cette ville avec nous en fait. Faut vraiment qu'on profite à fond de notre jeunesse. On est tout le temps là à se plaindre. Mais en fait, les gars, on est jeunes. Faut profiter. Parce qu'après, quand on va être vieux là, on n'aura pas autant de force qu'on a maintenant. J'habite à 35. Enfin, tu peux dire. Ouais, c'est vrai, t'as raison.
sais. Un bus passe en 35 heures. Il est? Il est 14. Ça oh. va, frère. Dancing around the trees, make me a kid again. And I would never drown. Lord, I will keep my mind on you. Cause I know you will see me so high. Thank you for the sunshine. Thank you for your love. Thank you for your light. Okay. Voilà, le vlog est terminé. Je me suis retrouvée dans ma chambre. D'un coup comme ça, il n'y a pas de transition, rien du tout. Je ne vous ai pas montré le chemin jusque chez moi. Bon, encore heureux. Je suis arrivée à la maison, j'ai dormi. J'espère pleinement que ce vlog vous a plu. C'était court mais marrant. Ça m'a fait plaisir de vlogger différemment de d'habitude. J'avais vu que Paola, elle avait fait ça pour son weekly vlog. Je me suis dit, ben, je vais un peu faire pareil mais à ma sauce, donc ça donne ce que vous voyez là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que profitez de chaque instant que vous avez avec vos amis. Vous créez des souvenirs tout simplement. Profitez de la vie mais correctement, hein, parce que hein, on connaît hein, les gens profiter de la vie, de sa jeunesse, c'est pas aller en boîte de nuit, c'est pas ça. Profitez et créez-vous un maximum de souvenirs pour avoir de quoi raconter à vos enfants et vos petits-enfants plus tard. Voilà, j'espère pleinement que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à partager à votre entourage, me laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous, que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Et sur ce, je vous laisse avec cette musique. Oula, ça a bien séché, hein. J'allais enlever ça.